Voilà. Et maintenant, la saucisse, ça c'est une saucisse à frire. Une choucroute cuisinée avec les choux du jardin, pour la famille Gachy, c'est la moindre des choses pour accueillir des amis du Périgord. Joël, c'est le dire, skill. Claude et Annie sont arrivés hier soir avec une cinquantaine d'habitants de Salignac et Cazoulès, deux villages de Dordogne jumelés avec Sassenheim près de Célestat. Le lien s'est noué dès 1939, alors qu'une grande partie des Alsaciens est évacuée vers le sud-ouest. Ils y resteront un an. À Salignac. Ce Noël était un bel événement. Il y avait un beau sapin et c'était à nouveau exceptionnel, paraît-il. Pour Georges, cette histoire est d'autant plus forte. Il est né là-bas, sa mère est décédée quelques jours plus tard. En rentrant de la Dordogne, j'étais le plus jeune du village. Et j'ai demandé une fois à ma cousine où c'est qu'ils m'ont mis dans le train. Elle a dit, mon papa, clouez quatre planches ensemble et là, tant tu étais. Quand je suis venu là, il était dans la cour, il a pleuré. Xavier, le frère de Georges, avait alors 13 ans. Quand mon père est venu, il a dit, moi je voudrais rester à Dordogne. Puis c'est normal. Hein. Si la mère est morte, et c'est une chose. Et quand on est rentré, on n'avait plus rien. Rien du tout. Yeah. Pour Benoît, le fils de Georges, cette histoire familiale est encore bien présente. Elle est symbolisée par ce noyer, ramené de Dordogne il y a 10 ans. Bah, la cime, je vais la laisser, je pense, quoi. Mais je vais déjà tailler un peu tout ce qui rentre pour que ça l'élargisse un peu, quoi. Mais comme dit, on a un lien particulier, comme ma grand-mère, je l'ai jamais connue, elle est quand même décédée là-bas, donc ça nous fait penser à cet événement-là. Et puis on les considère comme notre famille là-bas, quoi. Donc voilà, quoi. Après la choucroute, suite de la découverte de l'Alsace avec le marché de Noël de Neuvrisac. Comme dit, Noël, c'est une période particulière en Alsace, quoi. Donc je pense que c'est bien que Salignac vienne. Il y avait une demande depuis longtemps et donc je pense que ça permet un peu de revivre le vrai ce qu'il y a vraiment derrière Noël, quoi. Donc la relation entre les gens et puis le partage entre les gens, quoi. Donc par rapport à ça, c'est important, je pense. Ouais. Elle va faire une tranche de saucisson, là, vous voyez comme ouais. Ça. Pour mettre le schpack. Le quoi? Le schpack. Il ne se passe pas une année sans que les Gachis rejoignent la Dordogne ou que les Périgourdins viennent en Alsace. Mais c'est la première fois qu'ils découvrent la magie de la région à cette période de l'année. Santé. Colette a fait bon, il a un peu sucré toujours, mais... Retour à Sassenheim. Claude retrouve les Périgourdins venus pour le week-end. Ils cheminent à travers la quarantaine de crèches réalisées par les habitants. Les habitants des communes jumelées redécouvrent l'histoire de la famille Gachy à travers un conte. La maman était décédée pendant l'évacuation d'Ordogne à la naissance de Georges, le petit dernier. Tant Pauline, une sœur célibataire du papa, essaye bien de faire de son mieux pour servir tout ce monde. Mais impossible de remplacer la maman, surtout un soir de Noël. Et ce soir de Noël 44, alors que Sassenheim n'est pas encore libéré, deux soldats allemands frappent à la porte. Ils vont fêter Noël avec la famille Gachy, le papa, les sept enfants et la tante Pauline. Une nuit où l'impossible devient possible. Ici, sur ce banc, les quatre sœurs de Georges et sa femme. Après ces émotions, tout le monde se retrouve sous le chapiteau du village. Un moment de partage que Georges aimerait voir perdurer. C'est important que ça continue. Pour que les jeunes sachent que nos parents et nos grands-parents ont vécu. Je trouve que c'est intéressant que ça continue. On devrait leur dire beaucoup plus sur cet événement. Même à l'école, on devrait parler avec eux sur ça. Parce que c'était une triste époque quand même, tout laisser partir et revenir et plus rien avoir.
C'est une histoire qui est encore d'actualité aujourd'hui, puisque quelque part, ils sont allés en Dordogne, donc ils ont été évacués d'ici, ils ont été accueillis là-bas. Bon, c'était des réfugiés, ça s'est peut-être passé au sein d'un même pays, mais aujourd'hui, il y a des réfugiés syriens. Dans quelques temps, il y aura peut-être des réfugiés climatiques à cause du réchauffement, et donc tout ça, quelque part, ça se produit encore tous les jours, et donc faut peut-être pas oublier tout ça et peut-être être prêt aussi à accueillir ces gens-là quand ils viendront un jour. Quoi. Ah oui, mais bon. À nos amitiés, hein. Une amitié solide. Toute la famille Gachi a prévu d'aller en Dordogne l'été prochain.